des Pays-Bas, avoir participé aux 5 Coupes du Monde auxquelles les Pays-Bas, avant de se tourner vers le softball. Allez, c'est une frappe captée par la troisième base. Ah, c'est une frappe sur le shortstop. Et c'est un retrait en deux. Alors, c'est une frappe qui est partie très très haut, mais qui va coller la ligne et qui tombe. Allez, c'est une balle sur Mélissa Mailleux qui la gère tranquille. Et c'est une frappe au champ centre qui transperce l'infield. Allez, Mélissa Mailleux qui récupère la balle et qui élimine la coureuse en deuxième base. Ah oui, sur la lanceuse qui capte parfaitement. Oui, et c'est une retrait en première base. Et c'est une frappe vers la première base. Est-ce que ça va être géré par la défense française? Oui. Ouh, belle frappe entre le champ centre, la champ centre et la champ droit. Et c'est un double. Et la numéro 40, qui est la Isabelle Marquise, deux Coupes du Monde, à tentative de pick-off en deux. Deux coureuses sur base, elle était à 3-0, elle revient à 3-2. Et c'est un bébé. Oh, superbe! Et froide comme de la glace quand elle est sur le monticule. Elle n'a pas peur du stress. Ah, une balle trop basse. Et elle échappe. Ouh, frappe solide. Et c'est dedans. Ça va permettre à Léna Selam de rentrer. Mélissa Mailleux arrive en deux. À une line drive puissante. Et c'est une pop. C'est une pop qui est bien gérée par la catcheuse néerlandaise. Deuxième retrait. Et là, c'est une frappe qui va passer derrière la deuxième base et qui tombe. Et Mélissa Mailleux va scorer le troisième point des Françaises. Ce qui permet à eBay Pitch. Ouh, le joueur, le manager traversait la ligne, il l'expulsait direct. Pour affirmer son autorité. Et là, c'est une frappe sur Mélissa Mailleux. Avait fermé le match contre les Pays-Bas. Et c'est une balle. C'est un bain très haut. Ah, erreur de la lanceuse. Et encore un bunt qui cette fois-ci est bien géré, mais pas le lancer. White Beach et Océane Godot qui va rentrer. Et encore une joueuse, Louise Maillard. Et c'est deux points. Ça fait mal aux Néerlandaises.
Ouh, grosse frappe. Et c'est Foul ball. Elle a toujours deux strikes. Elle est en train d'user la néerlandaise. C'est une pop, mais qui va... Allez, c'est sur la... Encore foul ball. Il va avoir 4 balles, mais c'est un strike. Ah, ah. Exactement. Donc, bah, c'est toujours... En revanche, voilà. Là, elle est bien passée. C'est une question plutôt philosophique. Ouais. Allez, c'est une frappe qui tourne, donc elle semble sortir. Oui. C'est... Quatrième balle. Deux strikes, deux balles. Allez, est-ce que ça, on va avoir un double jeu? Non. Et c'est un double jeu des Françaises. Très bien géré. Et là, c'est une grosse frappe. Et elle est dedans. Non, c'est une foul ball. Avec l'équipe de France of Ball U22 à l'Euro 2012. Qui frappe solidement, mais c'est directement sur la première base. Allez, est-ce qu'elle va pouvoir éliminer en 3? Oh oui, ouais. Superbe action des Françaises. Allez. Aïe, 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 aïe. Et un wide pitch qui permet aux Pays-Bas de scorer un nouveau point, 5-2. Les Néerlandaises en contre-attaque, mais là c'est une pop en infield sur Mélissa Mailleux. Oh, belle frappe d'Océane. Est-ce que c'est tombé? Ah, belle frappe. Ah, sur la... Ah, erreur. Allez, c'est le bunt, réussi. Alors, c'est une frappe, mais elle va dans le gant de la... Eh, c'est une frappe sur la première base. Rosiliard qui gère avec Mélissa Mailleux. Ouh, hit by pitch. Ouais. Ouh, ouais. C'est une frappe. Et c'est la victoire. Incroyable. Une frappe directement dans le gant de Rosiliard en première base.